Bonjour à toutes et à tous. Voilà, bienvenue sur la Maison du Campus pour cette troisième séance de PPG. Cette séance se fera aujourd'hui avec un élastique. Donc peut-être que certains n'en auront pas, donc vous pourrez le faire en différé. Ces élastiques, vous pouvez les acheter donc à Decathlon, Intersport ou dans un magasin de sport. Voilà, ils vous serviront de toute manière pour la suite, puisque donc vous allez bien évidemment poursuivre cette préparation physique tout au long de l'année, même après le confinement. Voilà, donc il y aura trois blocs aujourd'hui. Donc un bloc face à l'élastique, un bloc avec l'élastique sous les jambes et un bloc dos à l'élastique avec, de mémoire, 8 ou 9 exercices à chaque fois. Comme d'habitude, il y aura entre 30 et 40 répétitions. Chacun fait ce qu'il peut, sachant que 8 ou 9 exercices vont se suivre. Donc il va y avoir une intensité au niveau cardiovasculaire et intensité musculaire. Voilà, assez soutenu, pas intense, puisque donc l'élastique, lui, n'a pas beaucoup de résistance. Donc en fait, par rapport aux haltères, vous pouvez avoir un nombre de répétitions beaucoup plus élevé. Comme d'habitude, on va commencer l'échauffement articulaire. On ne fera que l'échauffement articulaire, puisque donc le travail avec élastique va vous permettre une rentrée progressive dans les différents exercices. Donc on ne fera pas un échauffement plus long que aussi long que d'habitude. Excusez-moi. Voilà, donc on échauffe les poignets, en même temps on peut échauffer un petit peu les chevilles. Là. Allez, l'autre jambe. Voilà, on fait un petit peu la tête, donc on fait des mouvements de rotation de la tête par la droite, par la gauche. Des petits mouvements d'épaule vers l'avant. Et vers l'arrière. On s'échauffe un petit peu les coudes. On fait passer le coude par-dessus, par-dessous. Voilà, on peut en même temps passer le poids du corps d'une jambe à l'autre. Voilà, ça fait un petit complément au niveau de l'échauffement supplémentaire. Pareil avec l'autre bras. Allez, on échauffe un tout petit peu le bassin, on fait des rotations par la droite, par la gauche. Et on termine par les genoux, pareil, un petit mouvement circulaire. On peut également, vous voyez, faire des petites flexions, ça fait presque des demi-squats. Donc voilà, vous prenez votre élastique. On va démarrer donc le premier bloc de face. On fera un petit break entre chaque bloc pour que vous puissiez aller voir un petit coup. Premier exercice, les biceps. Donc, vous avez vos bras qui sont à l'horizontale. La partie bras ne bouge plus et vous allez en fait tirer sur l'élastique pour amener vos deux poings vers les oreilles. On est parti, on y va. Et 1, 2, 3, 4. Le bras reste bien à l'horizontale. 6, 7, pliez un petit peu vos jambes, comme ça vous aurez un petit effort isométrique au niveau des cuisses. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Allez, si on peut faire les 10 derniers, on va les faire en rapide. 6, 7, 8, 9, et 10, on souffle. Deuxième exercice, le triceps. Vous êtes les genoux légèrement pliés, voilà, le genou vraiment à la perpendiculaire du pied. Vous amenez vos bras derrière les coudes en aile de poulet, un petit peu comme on avait fait avec les haltères. Et on fait une extension de l'avant-bras. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pensez toujours à souffler sur le temps d'effort. 26, 27, 28, 29, les 10 derniers rapides. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deux exercices de haut de corps, un exercice de bas. Un,
Ici, on va descendre et monter les bras en même temps. Vous êtes prêts? On y va. Et 1, 2, 3, le bassin descend bien à la perpendiculaire, à la verticale. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On change de jambe. Jambes derrière. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Soufflez. On remet l'élastique sur son support. Un petit exercice au niveau des épaules. On va amener donc les bras perpendiculaires au corps, un peu comme Jésus sur sa croix, si je peux me permettre cette image. Donc si c'est trop difficile, avancez-vous par rapport au support. Si c'est trop facile, vous reculez. Cet exercice est assez dur au niveau des épaules. On est parti. Allez, 1, 2, essayez d'avoir les bras légèrement pliés. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Allez, pour les 10 derniers, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je souffle. Exercice d'abdos. Je viens de ce côté ici. Voilà, je tiens mon élastique et regardez bien, je vais faire une rotation là avec l'élastique qui se met en tension et je vais travailler donc là mes obliques. Voilà, on va le mettre en haut où on peut entourer. Allez, on est parti et 1, on sent. 2, le côté intérieur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est facile, on s'écarte. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Allez, rapide pour les 10 derniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On change de côté. Je vous tourne le dos. Comme ça, vous verrez. L'exercice fait sous deux angles. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je verrouille mon bassin. 6, 7, 8, 9. En contractant les fessiers. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Allez, rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Exercice rotateur interne, rotateur externe. Je vous montre la position. Là, vous ne prenez pas la même longueur d'élastique. Voilà, comme l'externe. Voilà, le bras extérieur, c'est un petit peu, il faut prendre l'élastique un petit peu plus long, excusez-moi. Voilà, donc vous collez les deux coudes ici sur le flanc, sur les côtés, et vous faites un mouvement de balayage ici comme un essuie-glace.
Surtout, ne décollez pas les coudes et ne tournez pas les épaules. Sinon, c'est pas que l'exercice n'est pas intéressant, mais vous travaillez d'autres chaînes musculaires. Prêt? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voyez, les épaules ne bougent pas. 25, 26 et les coudes ne décalent pas. 28, 29, allez, les derniers rapides. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je ne parle pas de la respiration, c'est la troisième séance. On essaye toujours d'expirer sur le temps de travail. On change. Vous verrez comme ça l'exercice exécuté de dos. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 rapides et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oula, ça chauffe, on sent que ça chauffe surtout sur le rotateur externe. Ok, on prend l'élastique. Deuxième exercice au niveau des jambes. Voilà, on pose les pieds dessus. Vous mettez les mains au niveau des hanches. On se met en appui sur la jambe gauche et on va lever la jambe droite latéralement en gardant le pied flex. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on peut bloquer. 1, 2, 3, c'est une variante. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, deuxième variante petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On continue normal. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Super, voyez les variantes. On peut bloquer la jambe, on peut faire des petits, on peut le faire en deux secondes. Il y a une multitude d'exercices. Dernier exercice du premier bloc, on va faire travailler les pectoraux. Vous mettez en position basse ici, vous vous couchez sur votre tapis en tournant le dos. Voilà. Ça s'appelle le pullover. Hop, vous pouvez réduire la longueur de l'exercice, de l'élastique, pardon. Et vous allez, regardez, amener vos bras tendus vers vos genoux. On y va. Et 1, 2, les jambes sont bien pliées, le creux des mains bien à plat. 5, je souffle. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, je bloque. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 petits. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 40. Super. Allez, un petit break de 1 ou 2 minutes. Vous pouvez aller boire. Soufflez. Vous voyez l'intérêt d'élastique, vous faites travailler des chaînes musculaires et les chaînes antagonistes. Voilà, donc là, je vais tirer ici, que je ferai tout à l'heure pour faire mes dorsaux. Et là, je vais ramener ensuite, donc en retenant l'exercice, et donc je fais travailler la chaîne antagoniste. D'ailleurs, j'ai oublié de faire les dorsaux. Eh oui. J'ai oublié un exercice, autant pour moi, excusez-moi. Voilà, sur le premier bloc, il m'est revenu en mémoire. Donc,
Exercice de dorsaux. On tire les poings ici vers les épaules et au moment du mouvement, on essaye de faire toucher les deux omoplates. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 en bloc. Et 1, 2, 3, allez, mes omoplates se touchent. 5, 6, 7, 8, 9 et 10 petits. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Super. Voilà, j'avais oublié un exercice de la chaîne dorsale. Je vous laisse boire. Pour la deuxième série, on va faire beaucoup d'exercices avec les élastiques, enfin l'élastique sous les pieds. Ok, alors premier exercice, on repart sur le biceps. Donc là, les bras sont pendants le long du corps. Vous allez amener, sans bouger l'avant-bras ici, vous allez amener les poings vers vos épaules. On est parti, on peut le faire en simultané, on va en faire 20 en simultané et 20 en alterné. Prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et on alterne. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. Triceps, vous montez votre élastique ici derrière. Essayez de ne pas cambrer au niveau du dos. Rétroversez votre bassin, c'est-à-dire durcissez les fesses et faites basculer le bassin. On est parti, extension des avant-bras. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je me tourne, 9, 10 pour que vous puissiez voir plusieurs angles. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, allez, celui-là, il est dur, on finit en tendant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, soufflez. Ok, exercice de jambes, on écarte un petit peu les jambes, on amène l'élastique sur les épaules ici. Voilà, on va descendre en squat. Donc souvenez-vous, quand on descend en squat, regardez, je me mets de profil, il ne faut pas que les genoux partent vers l'avant, il faut vraiment que les fesses aille vers l'arrière et que le genou reste à la perpendiculaire du pied. On est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en fixe. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Petit. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Des grands. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en fixe pour les 10 derniers. 2, 3, 4 et 5 petits. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Travail d'épaule. Là, cette fois, tout à l'heure, on avait travaillé sur les côtés. Là, vous allez travailler en montant les deux bras devant comme un somnambule. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en fixe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Des grands. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 en fixe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, relâchez. Oula, petite goutte de sueur qui commence à apparaître. Je souffle. Les dorsaux qu'on avait oubliés tout à l'heure. Donc, j'entoure, voilà,
que les dorsaux, on est puissant, grand dorsal, un muscle très puissant ici. Je plie mes jambes, mes bras sont pendants, un peu comme un primate. D'accord? Et je vais tirer mes poings ici vers mes épaules, toujours en pensant à se faire rencontrer, se faire toucher les deux omoplates. On est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20 en fixe et on tient. Et 1, 2, allez, deux omoplates se touchent. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je relâche. Je souffle bien. Exercice suivant, on va se coucher sur le tapis. Pour ça que le tapis est là, ou une serviette, si vous n'en avez pas. Je coince mon élastique ici, sous mes pieds. Je monte l'élastique ici, le plus tendu possible. Et attention, je vais monter et rester. On y va. 1, 2, faites ce que vous pouvez. Bien, c'est dur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, soufflez bien, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Super. Soufflez. Allez, encore. Trois exercices avant la fin du deuxième bloc. On tient le bambou, on en a fait plus de la moitié. Je coince ici, voilà. Et regardez bien, je vais faire comme si je tapais avec une masse sur une hache pour faire travailler les muscles de la coiffe. Donc ça veut dire que je vais monter ici. Je vais en faire 20 d'un côté et 20 de l'autre. Prêt, on y va. Et 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, je bloque. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je relâche. Dans l'autre sens, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, je reste. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je souffle. Oula, ça commence à tirer, ça commence à tirer. Fessier, on a travaillé tout à l'heure sur le côté, on va travailler derrière. Donc un peu la position de l'arabesque, donc on amène une jambe derrière, moi la jambe droite avec le pied perpendiculaire ici, je mets mes mains sur mes hanches, comme dirait Adamo, et je lève ma jambe derrière. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, allez, je fixe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petit, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On change de jambe. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je fixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits. Et 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Soufflez. Je souffle, je souffle. Dernier exercice du deuxième bloc. Je viens mettre l'élastique ici. Je me mets sur le tapis en appui facial. Et on va faire les pompes. Plus facile sur les genoux. Ici, plus dur sur les pieds. Je ferai moite-moite. Je vais démarrer par le plus dur et je finirai par le plus facile. Vous faites ce que vous pouvez. Si c'est 10, c'est 10. Si c'est 20, c'est 20. Nous, on est parti pour 40. D'abord, au plus dur. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sur les genoux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Soufflez. À on sent que le cœur reste à une certaine intensité, d'où le travail cardio-vasculaire. Vous buvez un petit coup. Dernier bloc, pile poil dans les temps. Je vous avais dit que le premier bloc, on était de face. Le deuxième, l'élastique sous les pieds. Le troisième, vous allez tourner le dos à l'élastique. On va démarrer par les biceps, comme tout à l'heure. Vos bras sont tendus. Ici, je plie les jambes et je vais ramener mes avant-bras ici sur les bras sans bouger toute la partie haute, c'est-à-dire que le coude reste bien derrière. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rapide. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'élan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rapide. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, soufflé. Allez, premier exercice du dernier bloc. Deuxième exercice, toujours le dos tourné. Hop, comme si j'allais faire une touche de foot. D'accord, mes coudes sont très très hauts et je fais une extension des avant-bras. Encore une fois, évitez de faire ça. C'est un bon exercice, mais là, vous travaillez plus la partie haute des pecs et un peu les épaules. Alors que là, on se concentre sur les triceps. Prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rapide. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, doucement, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rapide, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, soufflez. On reprend l'élastique. Souvenez-vous tout à l'heure au premier bloc, on a travaillé la fente, on va la refaire. Voilà, normalement, je devais faire 40 à gauche et là, 40 à droite. Mais on refera comme tout à l'heure, 20 et 20. OK. Regardez bien, on va la faire un peu différemment. Vous allez mettre l'élastique ici comme un sac à dos. Là, allez, on va descendre et monter. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On change de jambe. Ici, le bras derrière. On y va. La jambe derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Soufflez. Super. Quatrième exercice, je vous en ai parlé tout à l'heure. Au moment de faire les triceps, on se remet dans la même position. Simplement, là, on travaille non plus avec l'avant-bras, mais avec les bras tendus. Attention de ne pas cambrer. Regardez bien, là, je suis cambré et je vais rétroverser mon bassin en contractant les fesses. On est parti, on fait la hola. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je fixe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 petits. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Des grands. Et 1, 2, vous voyez, je varie. 3, 4, chacun fera ce qu'il a envie de faire. 6, 7, 8, 9 et 10. Soufflez, vous avez vu, je fais des grands, je fais des petits et je fais du blocage. Les dorsaux. Je mets ici mes pieds sur l'élastique. Celui-là, il est assez dur, donc faites vraiment, vraiment ce que vous pouvez. Quitte à monter les bras un petit peu moins haut. Je me penche vers l'avant et regardez bien, quand je me penche, je ne laisse pas du tout mon dos rond, mais je me mets bien le dos plat. Et regardez bien, je croise mon élastique ici et je vais monter mes bras sur les côtés en battement d'ailes d'oiseau. On y va. Pied 1, 2, 3, 4. Pensez aux 5, aux omoplates. 6, 7, 8, 9. Allez, on bloque. 2, 3, 4, 5, 6. 7, pliez vos jambes. 8, ça fait travailler les cuisses. 9 et 10, on recommence les grands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On bloque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soufflez. Allez, on tient le bambou. 1, 2, 3, 4. On a fait 5 exercices. Il nous en reste 4. Au troisième bloc. Abdominaux. On s'assoit sur le tapis ou sur votre serviette. Et on est parti pour faire le rameur, c'est-à-dire qu'on va tendre les jambes ici. Et ici, on va faire comme ça l'élastique ne partira pas. D'accord? Ici, et en même temps, je tire sur les bras. On y va. Et 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10, je reste. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Rebelote. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il s'est produit avec les bras. 8, 9 et 10. Vous bloquez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, soufflez. Ouh là là, on commence à transpirer. Exercice au niveau de la coiffe. Ici, les fixateurs des omoplates. Je remets mon élastique sur le support, comme un peu la position des triceps tout à l'heure. Les triceps, souvenez-vous, on faisait ça. Et là, en fait, on va ramener les bras devant, équilibrez bien votre élastique. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je fixe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Petit. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 30 des grands. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 40. Allez, plus que deux exercices. Les fessiers, on remet l'élastique sous les pieds ici. On tient, souvenez-vous tout à l'heure, premier exercice, on a fait ça. Le deuxième là. Et bien là, on va associer les deux et vous allez faire côté
derrière, côté, derrière. Prêt, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez, je cherche mon équilibre. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, faites ce que vous pouvez. 29, 30, allez, les 10 derniers. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, 9, et 40. On change de jambe, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Le petit dernier, les pecs. La spécialité du deuxième intervenant en musculation à la fac, Karl. On estime bras pliés, on va amener les deux bras comme si on voulait mettre un coup de poing simultané sur le mur. On va en faire 20 et après on fera exercice de boxing sur 20 aussi. On est parti. 1, 2, 3. Si vous avez encore un peu d'énergie, pliez vos jambes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, boxing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les coups de saut. 9, 10, les 10 derniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 40. Super. Soufflez. Allez, on récupère 2-3 minutes avant les étirements. Voilà l'élastique. Vous trouverez ça dans n'importe quel magasin de sport. Et vous avez vu, il y a une multitude d'exercices à faire. C'est un bon compromis entre les activités de fitness sans matériel et les haltères ou les poids. Et c'est ce que je vous ai dit, ce qui est intéressant dans l'élastique, c'est que vous travaillez certaines chaînes musculaires, les muscles agonistes, et leur contraire, les muscles opposés, les muscles antagonistes. Et vous pouvez les travailler donc sur des séries rapides, sur des séries plus lentes, encore plus lentes, ou en isométrie. D'accord? D'ailleurs, on va utiliser l'élastique pour le premier exercice d'étirement. On vient de faire beaucoup travailler le haut. Vous le doublez, votre élastique ici, et vous amenez vos bras derrière et devant en essayant de ne pas tendre trop l'élastique. Attention de ne pas cambrer aussi. Voilà. Et marquez un petit temps d'arrêt ici, là où l'étirement est le plus intense. Voilà. Pensez toujours à caler votre respiration sur le temps de travail. Voilà le premier exercice que l'on peut faire avec l'élastique. Après, on peut aussi, vous voyez, sur un mouvement de balancier ici, faire passer le bras droit, on revient avec le bras gauche. On part avec le bras droit, on revient avec le bras gauche. Là, on sent que ça étire les épaules et le grand pectoral. On fait dans l'autre sens. Super. Allez, on pose l'élastique ici. On le reprendra tout à l'heure. Allez, on descend. Et là, regardez bien. Je mets mes mains ici sur mes genoux pour tendre mes jambes. Je vais le faire de profil. Voilà. Et en essayant, regardez mon dos, de garder le dos le plus plat possible, donc avec une tête qui est en extension. Et là, le fait de verrouiller les genoux, ici, vous sentez que ça tire énormément, donc au niveau des ischio-jambiers et des mollets. Voilà, essayez de gagner sur votre temps d'expiration. Soufflez.
et deuxième temps, on relâche. Et là, on se laisse tomber, le dos peut s'arrondir, la tête peut se mettre normale ou en flexion, et on se laisse aller un maximum. On sent que les muscles sont chauds, et donc, ils s'étirent et que les mains se rapprochent tout doucement du sol. Vous voyez, d'abord c'est les doigts, ce sont les doigts, puis après on n'est pas loin de pouvoir poser la paume de la main sur le bout du pied ou sur le sol, ça dépend des personnes. D'accord ? Voilà. Pour se relever, vous pliez vos jambes pour ne pas vous faire mal au dos, vous mettez vos mains sur vos cuisses ici, voilà, sinon ça fait un bras de levier trop grand, vous risquez de vous faire mal aux vertèbres. On écarte un petit peu les jambes, et là on va essayer de descendre sur le côté en gardant les deux plantes de pied au sol. Voilà, appuyez sur votre jambe pour qu'elle reste bien tendue, et là vous étirez les adducteurs. Ça fait, sur la jambe qui est pliée, un autre petit travail de renforcement musculaire. Appuyez-vous avec le coude sur votre jambe, et on passe de l'autre côté. Voilà, essayez de gagner sur votre temps d'expiration. Ok, on se redresse. Attrapez votre pointe de pied ici. Amenez le talon à la cuisse pour étirer le quadriceps, le muscle le plus puissant du corps humain. Voilà, concentrez-vous sur votre respiration. En même temps qu'un travail d'étirement du quadriceps, vous avez encore une fois un travail de proprioception, donc au niveau de votre cheville. On relâche, on attrape l'autre, on cherche son équilibre. Voilà, je vous l'avais dit, il me semble, la première séance, si vous êtes très fort, vous pouvez fermer vos yeux pour perdre vos repères visuels et être exclusivement en sensation qu'on appelle kinesthésique, recherche d'équilibre sans repère visuel. Et là, vous voyez que votre cheville travaille énormément pour vous rééquilibrer. Allez, les deux petits exercices au sol et on arrêtera pour aujourd'hui. On se met ici à quatre pattes. Voilà, et on va faire. J'arrondis mon dos, je rentre mon menton et je vais inspirer dans les omoplates. Là, en fait, pour mobiliser mes vertèbres. Mes vertèbres sont là. Et avec ce mouvement de dos rond, dos plat, vous allez redonner de la mobilité à vos vertèbres. C'est parti. Allez, on inspire. On envoie l'air dans les omoplates. On expire. On recommence. Allez, on le fait 3-4 fois. Ok, dernier exercice. Comme on a fait travailler les fessiers, on se couche sur le dos. Vous allez poser votre pied sur votre cuisse. Vous allez passer une main à l'intérieur, une main à l'extérieur. Et vous allez essayer d'aller faire un bisou à votre talon. Et là, vous allez sentir que la jambe qui est pliée, donc travaille en étirement du fessier. Je souffle, je souffle, je souffle, j'essaye d'aller embrasser mon talon. Voilà, pensez que vous allez gagner sur le temps d'expiration, quand vous videz votre cage thoracique. Allez, on change, on vient mettre l'autre talon, l'autre pied pardon, sur la cuisse. Allez, on va embrasser son pied. Ok, et voilà, fin de la séance, presque 45 minutes. Écoutez, félicitations, c'est pas bien évident. Vous voyez que l'investissement est intéressant, petit élastique, je sais plus, de mémoire, ça doit être 3-4 euros. Et cet élastique, vous pouvez l'amener partout, vous pouvez faire donc une séance chez vous. Et lorsque vous sortez, puisque donc on a le droit maintenant de sortir à 20 km de chez nous, et pendant 3 heures, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'urban training, ça veut dire partir en marchant ou en trottinant, et chaque fois que vous voyez du mobilier urbain, un support, un banc, des escaliers, ben vous faites toute une série d'exercices que vous pouvez faire avec l'élastique, ou des exercices de montée d'escalier, comme certains de mes collègues avaient pu vous proposer au premier confinement. Je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, à la semaine prochaine, donc on refera une séance la semaine prochaine avec des charges, d'accord, où on essaiera de mélanger ce que j'ai pu vous proposer à la première et à la deuxième séance. Bonne journée à tous, au revoir.